In Stockholm zijn momenteel werken aan de gang om er de overweg af te schaffen. Ze willen er een ondergrondse tunnel bouwen om de overweg te vervangen. Ondanks alle voorafgaande grond- en ondergrondstudies kwamen de ingenieurs tijdens het graven voor een slechte verrassing te staan. Le terrassement en effet révèle qu'on est en présence de sable, ce qu'on appelle les sables boulants, donc des sables qui sont remplis d'eau et donc le matériau n'a aucune portance et on doit trouver des solutions techniques pour améliorer la portance du matériau que l'on a rencontré. Ici dans le temps, probablement il y a des milliers d'années, passait un bras de Nassemois qui a été rebouché, si vous voulez, au fur et à mesure du temps. Et les alluvions, si vous voulez, viennent maintenant dedans au fur et à mesure que l'on terrasse et empêchent de creuser. Donc il va falloir maintenant assécher le terrain tout autour. On a eu la visite d'un géologue de l'Université de Liège qui est venu nous faire l'analyse du site rocheux en présence. Donc on essaye de recouper tous les avis des experts et des spécialistes pour tenter de s'en sortir de cette situation un peu particulière. Een eerste poging was echter geen succes. On a essayé d'enfoncer des gros enrochements dans le sol pour essayer justement de récupérer un peu de portance. Ça faisait une sorte d'effet bateau, on appuyait sur un enrochement, mais l'onde se répercutait dans le sol et donc déstabilisait tous les terrains aux alentours. Donc on a stoppé tout de suite et on a changé de technique. Ondanks alles probeert Infrabel binnen de vooropgestelde termijn een veilige oplossing te vinden. On est en train de réaliser des puits dans lesquels on va pomper en continu pour essayer de rabattre le niveau d'eau et pour assécher la zone afin que la portance puisse être récupérée. C'est le premier forage que l'on entreprend, que l'on fait, donc c'est un essai. C'est pour ça que l'on chipote beaucoup, parce que le terrain est tel que l'on doit s'adapter au terrain. On ne va pas dire « je vais faire comme ça », non, je dois m'adapter au terrain. Et si je ne m'adapte pas au terrain, il va se ranger. En théorie, le week-end du 22-23 mai, on est censé mettre en place le passage inférieur par glissement et par poussage sur le sol sous les voies principales. Et donc de maintenant au 22 mai, c'est un peu la course contre la montre pour s'en sortir et faire jaillir comme ça un tunnel en béton armé sous les voies. Zal deze techniek werken of zullen de ingenieurs met nog een andere creatieve oplossing voor de dag moeten komen?